1, 2, 3, 4. Hello les petits amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Alors oui, enfin oui, j'ai reçu mes deux derniers colis de chez AliExpress. Yeah! Et ça fait super plaisir. Donc, ben voilà, je vais dès à présent vous faire un petit unboxing et vous faire découvrir donc mes dernières réceptions. J'espère que ces dernières vous plairont. Je vous retrouve tout de suite donc pour ce petit unboxing. Mais quoi, qu'est-ce? Oh, trop hâte de savoir qui c'est. Allez, bonne vidéo les mecs, et à tout à l'heure, tchiussi. Oh. Et voici donc un aperçu de ces deux petits paquets, dont celui-ci, qui m'a été offert par ma compagne, que je remercie infiniment et que j'embrasse très fort. Merci ma chérie. Donc voilà, on va découvrir ça tout de suite. Donc je vais commencer en gentleman par celui-ci. Alors, le temps de lutter contre ces sachets extrêmement bien fermés. Voilà. Alors j'ai choisi, hein, je vous le dis tout de suite, donc la version sans boîte. Alors on va voir de quoi il en retourne. Ah bah oui, j'avais choisi la version. Oui, non, c'est ça. C'est bien la version sans boîte. Alors il s'agit donc de notre petit, et je vais baisser un petit peu la caméra rouge, notre petit McFantoys Hot Soldier Goldbug, que j'ai trouvé donc pour vraiment une bouchée de pain, avec quelques petits accessoires supplémentaires. Nous avons notamment donc le petit satellite ici. Alors ça, je sais pas trop ce que c'est, peut-être un petit stand. Ces petites armes, la petite roue de secours. Nous avons donc le visage de Goldbug, et si le cœur vous en dit, et c'est ce que sans doute moi ce que je ferai de mon côté, donc la tête de Bumblebee en version G2. Et puis ce que vous apercevez ici, c'est le petit père Ravage qui accompagne donc le Hot Soldiers Soundwave. Voilà, donc je suis assez content parce que j'avais le Soundwave, hein, je l'ai eu l'occasion de le présenter il y a quelques temps. Et donc Soundwave était fourni avec Laserbeak. Donc là, je suis vachement content d'avoir son deuxième petit compagnon. Donc voilà un petit peu pour ce premier petit paquet. Et passons à présent au second. Voilà. Alors, mais qu'est-ce que c'est ? Voilà. Alors après avoir donc fait l'acquisition du petit Legends Class Jazz de chez New Age, voici donc la version Zeta Toys à l'échelle Masterpiece Jazzy aka Jazz. Voilà, donc petite version légèrement améliorée du Toy World de Coolsville. Alors j'insiste bien, il s'agit d'une version améliorée et non pas d'un Keo. Zeta Toy, donc faut savoir pour la petite histoire que Zeta Toy, ce sont d'anciens designers de chez Toy World qui, suite à quelques refus de projets de la part de Toy World, donc se sont réunis et ont décidé donc de créer cette petite marque Zeta Toy. Donc ils proposent notamment pas mal de noms de design Toy World, donc notamment celui-ci et d'autres masterpieces, notamment des combiners. Donc l'avantage, c'est qu'on a un contrôle qualité un peu plus poussé. Celui-ci corrige quelques petits défauts mineurs de la version Toy World, mais en plus donc le prix est juste extrêmement agressif. Donc voilà un petit peu pour cette petite merveille que je vous laisse découvrir. Voilà, et on a tous les petits stickers puisque voilà, c'est du third party, donc les marques ne leur font pas peur. On a bien Martini Racing, Martini Porsche, donc tous les petits autocollants que nous avions sur la version G1 se retrouvent sur celui-ci.
Ah, c'est super cool, hein. Les finitions ont l'air d'être vraiment terribles. Le poids assez important. Donc on retrouve ces petits haut-parleurs juste ici. Le petit treuil qui se fixe à son avant-bras. Et puis donc son gun. Voilà, qui est juste superbe, avec la petite carte collector, une autre carte collector un peu transparente, bien plutôt bien fichue, et puis donc la petite notice. Voilà un petit peu donc pour ce second colis. Et voilà, donc pour récapituler ces deux nouvelles réceptions que j'attendais avec beaucoup d'impatience. Alors j'en ai d'autres qui viendront certainement avec le temps, puisqu'AliExpress en ce moment fait des soldes vraiment vraiment tip-top. Donc peut-être que je me laisserai tenter par un ou deux achats, on verra bien. Mais voilà, en attendant donc pour ces deux petits colis. Et puis bah voilà, ça vous donne également une fois de plus une idée des prochaines revues qui vous attendent par la suite. Donc j'espère que vous avez apprécié ce petit déballage de colis. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos suggestions, vos petits pouces bleus qui évidemment font toujours super plaisir. Je vous retrouve pour ma part très bientôt, voire fin de semaine, puisque là ça approche à grands pas maintenant, heureusement, pour de nouvelles aventures Transformers. Voilà, donc d'ici là, portez-vous bien, et surtout n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis, à très vite, bye bye, tchuss. Waouh, quelle belle chose encore, mais décidément, tu nous gâtes, papy TF. Ouais, moi j'en peux plus, j'ai trop hâte de voir tout ça. Ouais. Et moi aussi. Ouais.